soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il aperçoit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez et suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Et un peu plus loin, Jésus aperçoit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leur filet. Jésus les appelle aussitôt, alors laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Figure en bonne place.
et nous avons sur le fronton surmonté de 12 angelots, cette inscription Une versitas piscator, l'universalité du milieu de la pêche des pêcheurs. Vous aurez le loisir de venir vous-même méditer devant ce tableau. Et puis nous avons sur ma droite la chapelle des marins, dite la chapelle de Sainte-Évase. Mais vous le voyez, il est dans le fleuron du maître de l'hôtel. Et puis également, vous l'avez sous la coupole. Lorsque vous venez et qu'il fait grand soleil, c'est vraiment un scintillement pour les yeux. Toutes les couleurs viennent bercer votre regard. Alors cette chapelle a été érigée par la Corporation des marins de Bastia. Et nous avons également l'inscription Universitatis Nautorum. L'universalité de ce village du monde de la mer. Vous voyez que nous avons quasiment en concurrence ici, vraisemblablement, l'hôtel des armateurs, ceux qui étaient les maîtres de tout ce qui naviguait. Et puis ici, l'hôtel des pêcheurs, ceux qui trimaient. Et l'histoire nous explique les différentes subtilités quant aux matériaux utilisés. Saint Jean-Baptiste est donc riche de deux hôtels relatant le monde de la pêche. Dans ce tableau, je laisserai les explications pour que vous puissiez à loisir parcourir Sainte-Thérèse de figure, ainsi que Sainte-Catherine d'Alexandrie, auprès de la Vierge de l'Immaculée Conception, pour des âmes de purgatoire. C'est une œuvre somptueuse dans laquelle Sainte-Thérèse a revêtu une riche charte de brocart. Deux angelots viennent lui présenter la maquette d'un navire et d'autres tiennent en main ses attributs, la mitre, la crosse, le ciel. Voilà, vous voyez que nous sommes de plein pied dans ce monde merveilleux qu'est la mer. Ce monde redoutable aussi parfois par ses tempêtes fantaisistes, ses flots tumultueux, ses écueils. Mais la mer, c'est le lointain. C'est l'appel du large, tout à la fois, et le retour vers l'âme. C'est cela, la mer. C'est l'infini dans l'immensité. Et vous qui avez pour habitude de partir avec vos chaluts, avec vos barques, vous pourriez mieux que moi parler de votre domaine, la mer.